Salah Hamri est toujours détenu dans la prison du désert du Negev. Il est détenu depuis le 23 août 2017. Il est détenu sous le régime de la détention administrative. Il ne sait toujours pas pourquoi il est détenu. Salah est un prisonnier parmi 6000, un prisonnier politique palestinien parmi 6000. Ils sont plus de 450 en détention administrative, comme lui, donc sans connaître la raison de leur détention ni la date de leur libération. Ces détentions, sont un véritable moyen de pression sur les Palestiniens, un véritable moyen de les faire taire, en fait, puisque dès que vous vous engagez en politique, dès que vous dénoncez l'occupation, vous risquez la prison, et notamment avec cette détention administrative qui permet donc d'incarcérer toutes les personnes qui peuvent être un peu dérangeantes pour l'État israélien. Il faut savoir que Salah a déjà été pendant 7 ans en prison. Depuis sa libération en 2011, les autorités israéliennes ont tout fait pour que Salah quitte la Palestine. Ce que vit actuellement Salah, toutes les pressions, les intimidations et aujourd'hui sa détention sont faites pour le contraindre à quitter la Palestine. Et malheureusement, il est un cas parmi de nombreux autres.